Yo, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest 7. J'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois, eh bien, on avait visité l'île qu'on avait vue dans le passé, hein, puisque on voyage entre le passé et le futur. C'est un truc de dingue. On fait plein de trucs. Du coup, on a vu la ville du passé, enfin l'île du passé, hein, Karael. C'est pareil, hein, on s'en fout, c'est exactement pareil. Bref, on avait vu la ville du passé, et du coup, eh bien, on a pu trouver plusieurs fragments, hein, puisqu'on est arrivé dans cette ville qui était, du coup, la ville du futur. Hein. J'espère que vous suivez, hein, elle est émergée de l'océan, et donc du coup, on comprend qu'on avait visité le passé, qu'on avait libéré l'île de l'occupation des monstres, et donc du coup on est arrivé elle a émergé de l'océan, et on est arrivé du coup dans le futur de cette ville, et on a trouvé des fragments pour d'autres îles, donc vous comprenez un petit peu le délire, hein. On va à chaque fois débloquer une île, on va trouver des fragments pour des prochaines îles, machin tout ça, et au fur et à mesure, en fait, hein, petit à petit, on va débloquer tout plein d'îles, et on aura un monde avec plein d'îles, et il n'y aura plus qu'une seule île, c'est bien. Parce que bon, c'est un peu triste, hein, d'avoir qu'une seule île sur toute une planète. Voilà, hein, c'est pas terrible, on va dire. Bref, on va continuer, du coup. Qu'est-ce qu'on devait faire? Bah rien, en fait. Oui, on devait rien faire ici. C'est cool, hein, parce qu'on on a complètement fini ce qu'on avait à faire ici. Du coup, eh bien, on va... Et ben on va aller directement au sanctuaire. Alors, est-ce que je peux déjà me soigner? J'avais dit me soigner. Est-ce que je peux? Oui, normalement. Est-ce que ça va me coûter des sous? Je pense aussi. Hein. Rien n'est gratuit, évidemment. Après, quoique, je suis avec le prince. Hein, vous n'avez rien de plus important à faire que de traîner en ville? Bah si, mais... Mais, je suis dans une auberge? Genre, je peux pas dormir? Non. Mais pourquoi? Je peux pas me soigner. Quel enfoiré. Attendez, comment je fais pour me soigner? Disons que j'aimerais bien avoir des PM en plus. S'il vous plaît. Là, genre là, je suis dans mon lit. Oui, voilà. Ça, c'est bien. Tous les trois dans mon lit. Super. Et bah, non, mais en plus, c'est vrai, hein, on s'est tous les trois reposés dans mon lit. C'est cool, je... Pourquoi pas. Voilà. Ils ont dû bien s'amuser, les petits fous. Alors, messieurs... Enfin, plutôt monsieur. Enfin, c'est un esprit, en fait. Donc, je sais pas si c'est vraiment un monsieur. Alors, nous, c'est du... Mais attendez, je peux quand même en mettre d'autres, hein, parce que regardez, par exemple, transporter, on a du vert. Je pense qu'on peut déjà poser ce qu'on a, comme ça, au moins, on verra... Alors, je pense que ça doit être le premier. Ouais, regardez. Comme ça, on peut voir plus ou moins les prochaines étapes, je pense. Ouais, franchement, lui, il est simple. Voilà, il nous en manque deux. On a du rouge, on a... Et c'est tout. On a plus de vert. Ok. Du coup, du rouge. Mais genre ça... Le premier, c'est un rouge ou pas? Je sais plus. Bon. Bah déjà écoutez, là on a le tout, donc on va pouvoir déjà visiter cette île là. Non, je crois que c'était un jaune le premier, je sais plus. Mais écoutez, hein, on verra bien. Oh. Oh là. Ouh, oui, d'accord. Ah, ça, c'est un volcan.
Restez pas là. J'espère que c'est pas de notre faute. Oups. Ah, et donc nous on arrive. T'as vu sa fuite de taux? Qu'est-ce que c'était? T'as vu comme moi, pas vrai? Il y a un volcan là-bas, pas loin. Mais il semble sur le point d'exploser comme celui qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que c'est une vision du futur? Alors là, je saurais pas te dire parce que moi, personnellement, j'en ai pas. Hein. Ça serait bien, mais j'en ai pas. Ce n'est pas en restant ici qu'à se creuser les ménages qu'on va le découvrir. Explorons les environs. Eh ben, explorons les environs, mon petit... Oula! Bon, j'allais dire mon petit lapin. C'est pas un lapin, lui. T'es quoi, toi? Toi, t'es pas un lapin. Alors, je vais accélérer comme d'hab. Mais faut que je farme. Ça, vous le savez. En même temps, on va tâter un petit peu le terrain. Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce qu'ils sont pas forts? D'ailleurs, si je peux avoir des nouvelles armes... À mon avis, je pense qu'ici, il y aura des armes un peu mieux. Ça a pas marché moi. Ah bah oui, il fallait faire quitter la page, alors du coup ça accélère pas. Allez, hop. Voilà. Ok. Bon. Alors ici, est-ce qu'il y a des trucs? Non, y a rien. Bon, j'imagine qu'il faut aller là-bas. Hein. Ok. Soit vers le volcan, soit... D'ailleurs, comment je fais pour... Non. Ah. Je peux pas voir les cartes... Attendez. J'ai pas une manip pour voir les cartes? Non, je sais plus. Événement récent, fragment de tablette suivant, les fragments de tablette, histoire jusqu'ici. Ah non. Et quand je vais dessus là. Ah non, je peux pas. Il me semblait qu'on pouvait regarder la carte. Bon, écoutez, si jamais vous savez, hein, vous me direz, mais il me semblait qu'on pouvait regarder la carte. Bon bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, allons-y, on évite les monstres. Alors ça c'est, déjà c'est bien qu'on voit les monstres, hein, ça c'est cool. Non. Alors, je sais que c'est long et je sais qu'on est encore loin des trucs par la suite. Hein. Mais normalement, parce que attendez, on le voit pas ici, je crois. Mais normalement, il doit y avoir. Des classes, donc vous allez voir, c'est un petit peu plus des trucs sympas, mais c'est long. c'est long. Donc on va aller au village, j'imagine. On va se fighter un petit peu quand même. Tant que je suis pas en train de mourir, ça va. Voilà, ok. J'ai beaucoup de pièces d'or ou pas? 478 si ça. Si les trucs ont été à... Enfin, si y a des armes meilleures, ça va coûter bien cher aussi, quand même. On va péter les pots, du coup. Une fiole de magique. Sympa. Coucou. Je suis derrière la maison du prêtre, elle a dit. Ah, voilà. Il y a mon trésor. Lucille en sait des choses. On a toujours pour son argent. Elle veut savoir quelque chose, n'importe quoi, allez lui demander. Ok. Bah, on ira lui demander. On ira, oui, demander un puits, je peux aller dedans? Oui, évidemment. Et y'a rien. Merci. Tu me dis un truc, toi, ou pas?
À ce que je vois, le gardien des flammes semble bien bonne humeur encore aujourd'hui. Comment? Je n'ai pas peur des tremblements de terre? Bien sûr que un bon séisme nous montre qu'il est toujours là. Et puis, à Brasila, les maisons sont particulièrement solides. Ce n'est pas un petit séisme qui reste de tout détruire, croyez-moi. Ok. Donc, qu'est-ce qui vit dans la grande maison là-bas? Comme vous n'êtes pas du coin, vous devriez aller lui rendre visite par politesse. Ouais. Bah, attends, déjà, je... recommence à parler toute seule. Je ne sais pas ce qu'il lui prend ces derniers temps. Des clients, venez voir Lucille. Pour qu'elle vous dise la bonne aventure. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est peine perdue, à mon avis. Elle risque pas de mettre une cantelle. Et pourquoi pas. Et toi, là? Oui, je vois. C'est flou, mais je le vois. Qu'est-ce qu'il me prend? Comment osez-vous m'interrompre en pleine prédiction? Elle est sûre de celle-là ou quoi? Je lui ai dit de ne laisser entrer personne, il faudrait qu'elle se lave les oreilles de temps en temps. J'ai failli voir quelque chose, mais maintenant je vais devoir tout reprendre à zéro. Je sais pas qui vous êtes, mais je me compte en fait. Allez, passez votre chemin. Ah ouais. Bon, je crois que j'ai un petit peu interrompu le truc. Qu'est-ce que tu vends, mon petit gars? Oula! Ah oui! Attends, t'as des armes. T'as un fouet d'épines. C'est déjà pas mal. En plus, je peux frapper plusieurs groupes. Ah, ça, c'est trop bien. Et c'est très cher. Tenue de voyageur pour Maribel. Bon, après, ça... Ça compte pas beaucoup, mais... C'est vrai que ça pourrait être sympa. Et le maillet géant. Le maillet géant, ouais. Ça augmente un peu plus quand même. Est-ce que j'ai... Ben, j'ai quand même envie d'économiser... Maillet d'épine, en vrai, c'est bien. Parce que ça peut frapper pour plusieurs personnes. Donc, on va économiser un petit peu. On va économiser un petit peu. C'est vrai qu'il y a un énorme volcan. Oui. C'est le mont brûlé. Un lieu très sacré. Ok. De quoi? Vous voulez savoir à quoi sert cette grande flamme? Ah, nous vénérons le gardien des flammes. Ok. Fait du tourisme, pas vrai, mais vraiment. Ça ne peut pas de mine, j'espère que vous passerez un bon séjour. Et peut-être, ouais. Est-ce que je vais assister à un massacre de ce village? Ça pourrait être sympa. Ah, c'est méchant. Bon, vous me bloquez, messieurs. Tiens, je peux dormir ici ou pas? Ouais, allez. Bon, moi, je suis un minimum soigné, mais... 15 pièces d'or. Eh, je suis pas riche, hein. 15 pièces d'or, je les vois quand même. Là, allez. Attendez, on va faire un petit coup de sauvegarde dans le deuxième slot. Oui, je veux me confesser. Ya. Ici. Choupi-loupi-loupi. Ya. Allez, hop. Allez, go. On va là. On fouille. J'ai envie d'une mission, un truc là. Bon, j'imagine qu'il faudra aller au volcan, mais bon. De voir. Le cacique, il sera ravi. Donc, toujours vraiment, vous savez, surtout le fait de bientôt commencer. Retour des flammes. Ok. Ah, mais ils ont rien dans leur placard. Un chapeau à pointe. Ah bah, déjà, vous voyez, pas besoin d'en acheter un. Voilà, je m'en équipe.
Attendez, on va aller lire d'abord les livres. Ok. Entretien de Confucius, ouais. Derrière son bouclier, car elle, telle est sa fonction. Ok. On peut voir la montagne. Ouais. Oui. Eh ben non, c'est juste la mienne. Enfoiré. Ah, vous êtes touriste. Ah. Voilà. Un petit tremblement de terre. Je n'arrive plus à compter les secousses, tellement elles ont été nombreuses aujourd'hui. Le moment est bientôt venu. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous en faites une drôle de tête? Bah ouais. Comment? Une vision du volcan. Et vous dites qu'il va entrer en éruption? Oh oh, ne racontez pas de bêtises. Il ne va rien faire pour provoquer la colère du gardien des flammes. Je doute fortement qu'il utilise le feu pour attaquer ses fidèles serviteurs de Brasilia. Mais t'es con quoi? Surtout pas au moment même où nous apprêtons à célébrer la fête des flammes. Oui, pas ok. N'avez sûrement pas l'habitude de voir des volcans de près. C'est tout à fait compréhensible, mais je vous assure. En fait, c'est par le biais de ces secousses que le gardien des flammes nous indique que c'est l'heure de la fête approche. N'allez pas vous reposer à l'auberge. Je me suis déjà reposé, en fait. Ok, qu'est-ce que je fais? Vous pensez que je dois retourner? Ah, ça m'embêterait. Ça m'embêterait fortement de repayer. Ah non, c'est bon. Ça n'a pas eu l'air de beaucoup d'intéresser. J'ai l'impression que la scène qu'on a vue n'avait rien à voir avec une fête. Alors considérant qu'on est en sécurité pour le moment. Nous reposer à l'auberge. Ah voilà. Bah non, mais en fait non, fais-moi pas payer s'il te plaît. Et vous imaginez qu'en fait j'ai payé pour rien. Ah bon, c'est bon, la prochaine fois je vais plus jamais dormir hein. On a beaucoup d'agitation dehors ce matin. Ça m'étonnerait que ce soit l'annonce du début de la fête. En fait, je me suis fait de la thune et j'ai perdu de la thune. Bon, j'imagine que t'as un truc à dire, toi. Écoutez-moi bien, vous devez m'écouter, j'ai une vision. Une colonne de feu jaillir du mont brûlé. Et elle est tout entière recouverte de lave en fusion. Je vous le dis, à l'issue du rituel du retour des flammes, Brasilia sera rayé de la carte. Nous devons annuler la fête. Ce sisme de tout à l'heure, vous l'avez tous senti, pas vrai? Ça signifie que... On ne sait pas ce que ça signifie, Lucide. Gardien des flammes veille sur nous. Oui, tout à fait. Cette secousse signifie que la fête doit commencer. Alors mettons-nous en travail. Ça me fait penser à des événements, des vrais événements historiques. Hein? Oui, allons-y, le gardien des flammes ne nous pardonnera jamais si nous ne l'aurons pas comme d'habitude. Non mais... On de débile. C'est comme ça, après toutes ces années, vous doutez de ma prédiction. Non? Taisez-vous, ce n'est pas à vous que je m'adresse. On est de ton côté! Oui, mais je ne crois pas à moi. C'est pas possible que le monde brûlé explose. Elle a raison. Êtes-vous sûr que vous n'avez pas perdu votre don, ma chère? Bande d'ingrats mal embouchés. Allons bon, qu'est-ce qui se passe ici? Celui-ci indique avoir une vision du mont brûlé, que le mont brûlé va exploser, que Tulis va être englouti par la lave. Quoi? Mais qu'est-ce que... Écoutez-moi tous. Pour commencer, calmons-nous. Ça ne sert à rien de faire tout ce remis de ménage. Vous aussi, les touristes. Arrêtez d'avoir l'air aussi inquiet. Lucine, venez avec moi. Nous devons discuter de cette vision dont vous parlez. Allons chez moi. Vous les touristes, vous pouvez venir si vous voulez. Mais arrêtez de me les touristes. Je suis un touriste. Les habitants ne semblent guère se soucier, ouais, ok. Avec leur occupation. Ou ça va péter, moi je dis. Ça va péter.
pourquoi avez-vous dit ça devant tout le monde, Lucide? Vous savez bien qu'il panique facilement. Il ne fait que mon devoir, transmettre un message en provenance du royaume du surnaturel. Hein, que c'est ce qu'une voyante est censée faire. Une voyante, je pensais que vous étiez censée être guérisseuse. Ce n'est de toute façon pas le sujet. Vous auriez dû venir me voir avant de faire peur à tout le monde comme ça. Est-ce que ça aurait changé? Vous savez que mes visions sont toujours fiables. Nous devons agir. Elle annule la fée des flammes, après tous les efforts que nous a demandé. Vous n'avez pas le choix. Et l'annulation de la fête ne fait n'est que le commencement. Écoutez, nous allons rien annuler du tout. Point final. Ça ne serait que contrarier un peu plus le gardien des flammes, et c'est ce que les habitants craignent par-dessus tout. La fête aura lieu ce soir même, et vous devrez vous en accommoder. Le gros sélime qui vient de se produire nous montre que c'est vraiment le moment. N'importe quoi, gros débile. Et qui sait, peut-être que le gardien des flammes nous pardonnera pour tous remis ménage. Oui, ça me démange de depuis tout à l'heure à l'œil, donc voilà, je suis toujours en train de me frotter. Et voilà, voilà. Mes chers concitoyens, c'est l'heure de la fête des flammes. Enfin, l'heure de la fête des flammes est arrivée. Pour ce soir. Ok. Ah bah, ils vont pas faire tout le monde quand même. Si, ils vont faire tout le monde. Tout dans les bras et rien dans la tête, ce classique. Je dis annuler la fête, mais il a décidé de s'en faire qu'à sa tête. Attendez, vous êtes touristes, n'est-ce pas? Alors peut-être que vous pourrez faire quelque chose pour nous aider. Oui, on va après marcher. Oui, je pense que vous serez à la hauteur. Venez me voir d'ici peu. Nous faisons beaucoup d'allers-retours. Ah voilà enfin. En toute chose, j'aimerais que vous présentiez. Bon, Fulito, venez en fait. Vous croyez à mon premier ici? Oui. Cela importe peu, de toute façon. C'était une véritable vision du futur. Que vous y croyez ou non, il s'agit que d'un futur potentiel. Celui-ci peut ne pas se réaliser et nous devons nous assurer que les choses se déroulent pas ainsi. C'est là que vous intervenez. Il faut que vous changiez le futur de Brésil. Je sais que vous en avez le pouvoir. Alors, qu'en dites-vous? Ouais, bah oui, je suis partant, moi. Honnêtement, je pense que... pas que le gardien des flammes puisse vous exploser le... faire exploser le Mont-Brûlé. Non, il se passe quelque chose d'autre, de louche, là-haut. J'essaie de savoir de quoi il s'agissait, mais je peux pas y parvenir seul. Le problème, c'est que nous pouvons aller au sommet au moment de la fête. Même le cacique n'est pas autorisé à s'y rendre le reste du temps. Cela veut donc dire qu'il va falloir attendre que la fête commence. Au cas où vous ne le saurez pas, ça se passe ce soir... pour préparer. Je crois que l'aubergiste doit être surexcité. Ouais. Ok, et du coup, je vais quoi? Je vais aller revoir l'aubergiste? J'ai pas compris. Allez, petite sieste. Voilà. On fait une petite sieste et puis on va y aller. La fête des femmes va commencer. Ok. Fête commence. Espérons ne pas vivre la catastrophe. Temps pour la fête cette année. Ok. Ok. Il y a du monde. Bon, je vais pas parler à tout le monde, hein, parce que bon, voilà quoi.
C'est un peu long de parler à tout le monde. Ouais. Manger un petit quelque chose. Alors je sais pas si je dois retourner voir mais je te vois pas là. Hein? On va voir ça. Regardez comme ça. Ma police de visager les gens. Oh. Le petit coquinou. On dirait. Mais le chemin du Mont Brûlé ne sera accessible qu'une fois. Le tutoriel de ce que la créature a fait. Je compte sur vous une fois que nous serons au sommet. N'oubliez pas. Profitez des festivités en attendant le début du rituel. Ouais, ok, donc je dois parler à quelqu'un pour lancer le truc, quoi. Eh, c'est pas ça qui est lancé? Ah, vous trouvez que c'est dangereux de laisser une petite portée des flammes sur la tête? Là, si vous avez du signe. Ok. Allez, ils ont tous des flammes sur la tête. Je parle à tout le monde. Je ne sais pas. Je sais pas. Ouais. Peut-être aller voir lui, monsieur. Ouais, voilà. Alors, vous avez pas encore vos flammes? Donnez-moi les flammes en vitesse. J'y vais. Ah super, on a des flammes. Waouh. Ah super look, hein. Bon, quand tout le monde est bien équipé. Oui, mais à part ceux qui ne scanneront pas le Mont Brûlé. Parfait, dans ce cas, nous pouvons commencer. Êtes-vous prêt? Ya. Ya, prévenez tout le monde que nous sommes prêts à y aller. D'accord. Ah, je pensais qu'ils disaient ça à moi, non, c'est bon, je fais pas le tour de tout le monde. L'heure est venue. Allez. Let's go. Garde des flammes, bien aimé. Les habitants de Brasilia sont comme toujours vos plus humbles serviteurs. En échange de votre protection, nous venons vous rapporter des flammes sacrées. Nous allons escalader le Mont Brûlé avec ce feu sacré pour rejoindre votre demeure. Ce que nous vous demandons en retour, c'est de remplacer ces flammes par de nouvelles et de nous protéger. Parfait, nous pouvons nous mettre en route. Bon, écoutez, bah, c'est en cinématique, j'imagine. Ouais. Pour tous les faire. Je crois que tout le monde se dirige vers le Mont Brûlé. Perdons pas plus de temps ici. Ouais. Bah c'est bien, moi j'ai pas le chemin à faire. Ah bah si quand même. Mais en retard. Franchement, j'aimerais avoir un sens de l'orientation. Ok, il y a un fragment ici. Quelque part. Ça semble pas tomber. Je peux doubler ou pas? Oui, je peux doubler. Mais imagine, je dois faire la queue.
Hein, parce que je ne suis pas d'ici. Moi, je m'en fous, moi. Regardez. Ça va, non, au calme. Au calme, moi, je dupe tout le monde, hein. Hey, je suis le premier de la queue et je laisserai ma place à personne, personne. Mes chers concitoyens, désolé de vous avoir fait attendre. J'ai l'honneur de vous annoncer que le rituel de retour des flammes va commencer. Ouais, je suis le premier. Du calme, rien de presse. Le but de ce rituel est de rendre hommage. Pas de privilège ici, ni crainte. Oh, mes brothers, invités d'honneur, entrez, mes amis. Hey, vous venez dire que personne ne devait passer devant. Soyez pas mesquins, ces visiteurs viennent de très loin. Ils sont gentils avec nous, et je suis sûr qu'il y aura le Zbeul et tout le monde sera méchant avec nous après. On va dire que c'est notre faute, machin. Je me rappelle plus trop de comment ça se passe. Il y a longtemps, hein. Je l'ai fait en 2000. Quand 2016, 2017, je sais plus. 2017, je crois. 2016. Donc je me rappelle plus trop. Hein. Comme vous l'avez sûrement deviné, c'est le cratère du Mont Brûlé. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre la flamme sur votre traite. Et l'acheter dans le cratère. Ok. Pouf. Oui, je suis prêt à acheter ma flamme. Pouf. Je trouve ça bizarre. Pif. Paf. Bon, maintenant, c'est au tour du villageois. Retournez au village, si vous voulez. Bah non, en fait, je vais un petit peu fouiller la zone quand même, parce que... Mec, j'ai un petit peu vu un truc. Ah, elle fait chier la trouille de ma vie. Et si j'étais tombé? Franchement, je n'aurais pas cru que Lucille m'a demandé de rester dans cet endroit. C'est dangereux. Et pris votre temps, le rituel a déjà commencé. Allez, n'y a pas de temps à perdre, vous devez explorer les entrailles du Mont Brûlé au plus vite. Il se passe quelque chose d'étrange à l'intérieur, et j'en suis certaine. Il faut que vous y allez et jeter un œil pour moi. Il y a rien, mais cet endroit est affaissé de monstres. Le temps presse. Oui, le temps presse, Laisse-moi explorer 30 secondes. En plus, du coup, je vais même pas pouvoir sauvegarder, j'imagine. Ah. Bon, on explore vite fait, après on va pas tarder. Déjà, je vais faire des coupures, hein, quand même. Désaccélérer, évidemment, aussi. Pourquoi il y avait deux chemins? C'est un peu galère, hein, ici. Ah, il y a un fragment. Ah, il y avait un fragment à cet étage. Une graine de force. Vous allez me dire que je me suis planté de chemin. Oui, évidemment, je me suis planté de chemin. Attention à pas toucher les queues. C'est un peu galère, hein, ici. Mais bon, j'essaie quand même de rusher au maximum.
Ouais, ça va être chaud. Hein. Dans les couloirs ici, c'est... C'est impossible d'esquiver. Ouais, bah non. Je peux me prendre des... Tu te prends les murs, tu te prends... C'est impossible. Et c'est aussi en partie pour ça que le jeu est très long. J'ai appris un truc, je crois. Ah, j'ai appris téléportation. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Par contre, j'aimerais bien... Esquiver. Voilà. Ouais, ici, il y a un coffre, mais bon. Ouais. Super. Je suis vachement content. Alors, je préfère avoir autre chose. Hein. Je suis en train de mourir. Et j'ai obtenu un objet que je vais pouvoir utiliser maintenant. Super. Bon, fais tout, il prend un peu cher. Ah! Oh purée! Ah bah super! Ah bah voilà! Je suis mort! Bordel! Il y a quand même beaucoup de monstres, hein. Bon, écoutez, si je. Meurs, tant pis. Hein. Ah, mais je peux même. En plus, je peux même pas. Utiliser Evac. Attendez, est-ce que je peux utiliser une aile de chimère? Merde. Ah, ouais, mais elle est morte, l'autre conne. Et si je lui donne une graine? Attendez. Ok. Parce qu'elle est morte, elle peut pas utiliser la graine. Fait chier. Bon, oui. Bah tant pis. Ça va être un petit peu galère du coup, parce que je peux même pas sortir d'ici. Mais bon, alors par contre, toi avec ta flamme... Ah, il y a une plaque ici. Non, 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 non. Bon bah vraiment, j'espère que j'aurai le meilleur équipement. J'ai réussi à m'enfuir. La plaque, elle doit être au milieu. Moi, j'ai peut-être loupé un coffre, je sais pas. Si je sors, ça fait quoi? Ouh, une dague divine. Sympa. Attendez. Bouge de là. Ça marche jamais, hein, fuir. Je veux fuir. Bon, ça rappelle les mauvais souvenirs. Oui, alors par contre, ils vont pas me faire tout le monde quand même. Je suis tout seul, je suis mort, tout le monde est mort. J'ai l'impression que je suis arrivé, mais. Ah, oh, purée. Ah, ouais, non, mais. Prennent tous ta place là en plus. C'est n'importe quoi. Et puis en plus je peux pas sauvegarder hein, donc je suis un peu dans la merde. Non 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 non.
Et... Ah d'accord. Alors attendez, hop. Voilà. J'ai sauté dans le feu, youhou, je suis... Oh, content. Non, 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 non. Oh purée. Et il me suit partout, hein, le monstre. Non, tu mens pas. Oh, laisse-moi fuir. Ok. Bon bah, faut sauter, invisiblement, dans les flammes. Ah. Et... Ah oui d'accord, je suis soigné mais... Mes coéquipiers non. Ils sont morts, ils sont morts. Fuck, j'aurais dû survivre jusque là. Et en plus je peux pas me barrer. C'est super. Là-bas je suis sûr qu'il y a un coffre. Oh purée. Ah oh, mais laisse-moi fuir, putain. Mais... Il y a des coffres. Ah mais... Oh. Évidemment, le truc se met devant, bien sûr. Ah, encore sur la petite cinématique. Alors, non. Ah, c'est bon. J'arrive à un endroit. Ok. Wow, c'est bientôt la fin. Allez, les humains, il n'y a que des imbéciles pour croire qu'une divinité qui n'existe pas. Une divinité qui n'existe pas. Organiser une fête en son honneur. Oula. Il se passe des choses pas bien. Alors attendez, hop. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Bientôt les humains m'offriront leur flamme. Je suis avec mes deux morts là. Il faudra jaillir la flamme et la lave en fusion. Ok, les humains croiront à leur misérable gardien de flamme. Enfin, ils croient qu'ils ont absorbé. En parlant d'humains, pensez-vous qu'une pauvre spécimen telle que vous puisse m'arrêter? Eh bien si, toute tentative sera vaine, il ne fera que plonger dans un cauchemar rempli de flammes incandescentes. Oh... Combattre? Ils sont morts, hein, mes collègues. Non mais je vais, voilà, non mais je me laisse mourir parce que je vais mourir en fait. Ça sert à rien de continuer à aller plus loin. Regarde, je me soigne. Après, sur un malentendu, je peux peut-être... Attendez, on va essayer quand même de gagner, mais... À mon avis... Je crois que je préfère encore mourir. Et de revenir, au moins je pourrais sauvegarder. Oui... Ouais, voilà. Bon. Bah écoutez. Il va falloir vous ressaisir. Ouais, mais d'accord, mais... déjà, je me casse. Je reviendrai plus tard. Non. Alors, attendez, juste, moi je me barre. Hein. J'espère que je peux sauvegarder. Ah oui, c'est bon. Bah écoutez, allez, on s'arrête là. Pff, long épisode, du coup, je vais essayer de couper au maximum, mais bon. On s'arrête là, du coup. Allez, hop, confessez. Oui. Ici. Allez, on confesse, on s'arrête là. Pff, long épisode.
Ouais, je vais couper hein, comme je peux, mais bon, c'est chaud là niveau 8, il faut que je charme quand même un petit peu, donc on va farmer, et puis voilà, ça tombe, j'ai loupé des coffres, quoi, je ne sais pas, bon, bref, je refais un peu le truc, et puis on se retrouvera devant le visage la prochaine fois, voilà, allez, je vous laisse, et du coup, vie à la prochaine, allez, bye tout le monde.